Ne touche pas au bouton, sinon je te coupe la main. Non, j'ai pas touché, je regardais juste de plus près. Ok. Pardon. Donc ici, vous allez devoir mettre la phénylacétone et de la méthylamine, seigneur. C'est quoi, c'est un vaccin contre le Covid? Des alcools, je crois. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, seigneur. C'est des produits chimiques qui te permettent de faire la méth. Très bien, excusez-moi. Matière première. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez rempli toute la cuve, le seigneur. La couscoussière. Vous venez ici, vous appuyez sur le petit bouton vert. Ça lancera la synthèse. N'appuyez pas, y a rien dedans. Les amis de mes amis ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franc prix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, balai goûte ta vie. Les frères, on la dame en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des edix, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7. Mais les litres en l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des asbas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. En complainte de la pregunta, elle veut la bague de cette grosse tasse. Mito Coyo, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as qu'à te lever tôt. Caisse, je veux une grosse caisse. Frotte, frotte le bas de caisse. Frotte, le bas de caisse. Hestes, abat les SS. Tu t'es trompé de rêverie. Lève, lève, Alors là, mon pote, ça va pas se passer comme ça. Ouais, ça va quoi? Ouais. Youtubeur, ça marche plus, tu me fais sonner, t'as pris Clédy, c'est ça? Non, t'inquiète. Eh, j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Bah, à ton avis. À mon avis de vous. À ton avis de toi. De moi-même, ils ont pas. Je l'ai appelé deux fois, il m'a raccroché au nez. Donc là, ce soir, c'est bon, les attrape pour toi. C'est ça, ouais. Ça marche perfecto, ben. T'attrapes, mais essaye. Soit tu les attrapes tous, soit les hauts gradés, tu vois, de chez eux, parce que les petits, vas-y, ils servent à rien, à mon avis, tu vois. Ouais, mais le gars, je veux tout, moi. Oui, mais voilà, soit tu attrapes tout, soit les hauts gradés, mais toi, attraper un petit, je pense que ça sert à rien, tu vois, c'est une perte de temps. Ça marche, ne qu'à part, maintenant, ça sera fait ce soir avec le sourire. Ah, vas-y, je te passe le numéro ou bien tu pars en chasse? On va se démerder, on va chasser. Vas-y, le loup, vas-y. Ah, c'est mardi saint aujourd'hui. C'est mardi saint. T'es pieds nus? Je suis pieds nus, Armano. Incroyable, vas-y. Ça tombe bien. Vas-y, ça marche. Vas-y, bon courage, tu me tiens au courant. Gracias, hasta luego, Armano. Salut. Oui, allô? Ouais, ça va ou quoi? Oui, c'est qui? Bah toi, t'es qui? Mais je sais pas, j'ai regardé mon téléphone et... Ah ouais, c'est vrai, je crois que je t'ai appelé hier? Oui. Et je crois que je t'avais appelé il y a une semaine aussi. Oui. Ouais, peut-être bien. Ouais, je reviens, mais c'est qui? C'est Anas, salut, enchanté. Ah, enchanté. Et toi, t'es qui? Chelsea. Tu fais quoi dans la vie, Chelsea? Je travaille au 24-7. Jure? Là, t'es au 24-7, là? Non, mais je peux y aller s'il faut, mais... Tu peux me livrer, genre? Oui, je peux aussi, ouais. Waouh, stylé, vas-y, j'ai envie que ce soit toi qui me livre, c'est bon? Ouais, bah tu m'enverras un message quand t'auras besoin. Bah là, j'en ai besoin, j'ai grave la dalle. Mais envoie-moi un message et j'arrive avec la commande. Ouais. Vas-y, ça marche. Et je t'envoie la position, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y, tu gères, je t'envoie ça. Vas-y, ok. Elle est très bizarre. Elle m'a répondu, Chelsea. Bonsoir. Ça va ou quoi, Hamid? Déjà, c'est pas bonsoir, c'est Salem. Salem, ça va ou quoi? Salem, toi. Voilà. J'ai trouvé une meuf, les gars. Ah, elle parle un peu comme ça, quoi. Hein. Travaille 24-7. Hein. Les gars, vous avez faim, faut que je commande, là. Chelsea, en fait, elle travaille 24-7, je lui fais une commande, comme ça, elle nous ramène. Vas-y, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Combien? Moi, j'en veux 5, s'il te plaît, aussi. Eh, tu sais quoi? Eh, bah, voilà, on va lui commander 250 hamburgers. Quoi? 250 bouteilles d'eau ou du coca? 250 bouteilles d'eau. Donc là, on est parti d'une commande Uber Eats à ouvrir un grec, c'est ça? Et 250 paquets de chips, c'est bon? Vas-y, ça marche. Vas-y. Je l'ai envoyé la commande, 250 burgers, 250 bouteilles et 250 paquets de chips, j'ai mis et je suis très sérieux. Staff là. On dirait pas un rendez-vous business, Zama? Jamais, je suis en train de commander. On dirait un rendez-vous, on va ouvrir un grec. On dirait je suis sur le Darknet, frère. Vas-y, regarde. De toute façon, les gars, normalement, c'est immersion Madrazo. Ah, mais il m'appelle. Incroyable, toi j'appelle. Ouais, César, ça va quoi? Oh, ça va, comment vas-tu? Ça va, et toi, tranquille? Ça va. Bon, t'es prêt à signer ta convention de stage? Bah écoute, là j'ai passé une commande au 24-7, je l'attends. J'ai commandé 250 burgers, 250 bouteilles d'eau et 250 paquets de chips. Donc j'attends et après on débarque. Bah si tu veux, on peut faire ça un peu plus tard, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Bah là, je pense qu'on va être livré dans pas longtemps en vrai. Donc dès que c'est prêt, nous on débarque. On se donne rendez-vous où? Fuente. Ok.
Ok, ok. Bah, je pense, donne-moi genre 15 minutes, je pense. 15-20 minutes, et puis après on arrive, ok? Ouais, ça marche, parce que je te cache pas qu'on a un gros truc à minuit 30. Je sais pas si... Minuit 30. Bah, tu sais quoi, faites votre truc, je pense. Mais ça veut dire combien de temps, votre truc à minuit 30? On va soulever des mers, ça j'aime bien. Qui? Vas-y, qui? Un indice. Des cuirs moustaches. Oh, ça c'est bon, ça! Ça c'est bon, ça, les cuirs. Vas-y, vas-y. Bah écoute, au pire. Après? Ouais, ça dure trop longtemps, on fera ça une prochaine fois, mais sinon, ça dure pas trop longtemps. De toute façon, moi je suis disponible, ok? Jusqu'à 2-3 heures, un truc comme ça, donc tu me dis. Ouais, par contre, j'en ai parlé avec un de mes chimistes. Ouais? Bah, le chef des chimistes, et il me dit, patronne, si on leur donne la conception de notre cuisine, ça peut devenir des concurrents. Non, vous allez rien lui donner, les gars. La recette, il va la garder. Hein. Moi, regarde. En physique chimie, j'avais 4 au lycée. Tu crois vraiment que je vais réussir à faire de la mette? J'arrive même pas à faire un gâteau à la fraise. Donc okay. T'inquiète. Hein. Tu veux juste regarder. Juste regarder comment ça se passe. Ça m'intéresse, je suis quelqu'un de curieux, tu vois. C'est juste... Ça marche. Ok. Vas-y. On fait comme ça, je te rappelle. Vas-y, tiens au courant. Vas-y, bon courage. J'ai prévenu mes collègues que j'allais faire une livraison, mais en fin de compte, ils ont dit comme quoi que ceux qui vont s'en charger. Donc si tu peux appeler directement le 24-7. Ouais, ouais. Mais t'inquiète, ça c'est juste une excuse. Moi je voulais te présenter quelques personnes en fait, c'est pour ça. Ah! T'inquiète, viens, ça va bien se passer, on va juste discuter. Là, on est en bord de mer et tout, calme. Bah, je t'ai envoyé la pause, de toute façon. Comment ça, au bord de mer? Oula! Non, mais on est sur les docks, en fait, parce que moi, je travaille à l'entreprise, tu sais, post-op. Du coup, là, c'est ma pause avec mes collègues. Ouais, ok. C'est bon pour toi? Ouais, je vais essayer de venir au plus vite, ouais. Ouais, t'inquiète, t'es où, là? T'es où? Là, je suis à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Et parce que j'étais avec des personnes à l'hôpital, tout simplement. Ah ouais, mais tu vois, le problème c'est ça. Quand tu traînes avec des personnes qui sentent bon, tu sens bon. Mais quand tu traînes avec des personnes qui travaillent dans le charbon, bah... tu sens le charbon, quoi. Donc évite de traîner avec des gens qui traînent à l'hôpital. En vrai, je suis un peu loin là, mais je vais essayer de venir au plus vite, hein. Vas-y, mais t'as un véhicule ou pas? Ah oui. T'as quoi comme véhicule? Une Primo rose et noire. Star... Quoi? Rose et noire? Oui, pourquoi? Ah, on va bien s'entendre. Vas-y, bah je... Oula, pourquoi? Non, ok, mais, vas-y, non, mais t'inquiète, ouais, okay. Mais y'a rien, wesh, tranquille, vas-y, on t'attend. Roya, elle est pas sereine du tout. C'est à Chelsea? Ouais, elle est pas sereine du tout, Roya. Après, 250 burgers, c'est vrai que c'est pas trop. Attends, la meuf dire, c'était Jas, non? Attends, je vais l'appeler. Vous avez fait quoi, du coup, là, les gars, depuis tout à l'heure? Moi, j'ai fait une petite super tranquille. Sérieux, t'as réussi? Je me suis chauffé. Ouais, je me suis chauffé. Attends, une super avec quel véhicule? Tu me dégoûtes, voilà, tu me dégoûtes. T'as vraiment. Non, alors, t'as fait la super avec la Mini, t'es sérieux? Non, écoute-moi. T'as pas honte? J'ai demandé aux gens dans la voiture quelle est la voiture la moins cheatée dans le garage. Quoi? La Mini. Mais ça va, mais c'est la pire! Parce qu'en fait, fallait que je m'entraîne pour pas faire tout le temps la même chose. Ah voilà. Ouais. Parce que la Margarita, regarde, ça va 2 minutes. Hein. Ouais, ça va 2 minutes. Ouais, c'est ça, je fais juste des gauches-droites, gauche-droite, accélération, nanana. C'est ça, pas besoin de faire Margarita ou la 4 fromages ou la pepperoni, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ou la... Et toi, Harry, t'as fait quoi depuis tout à l'heure? Voilà, franchement, je suis juste parti mettre de l'essence. Ah, ça pète, hein. Ça pète. Pourquoi tu gardes ton masque, regarde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça y est, enlevez-le, le gars, c'est fini, wesh. On vit ensemble, je te crache dessus. Oh, voilà, bah, oui, c'est ça le problème. Ensemble, mais toute la journée. Attends, viens, je vais tester un truc. Tobias, viens, bouge pas. Hop là, ta grosse tête. Bon, allez, hop. Ah, mais va tout noir. Voilà, tu vois rien, tu vois rien. Viens, attends, suis-moi. Attends, mais viens. Suis-moi, viens. Là, j'avance. Regarde, suis-moi, là, je suis devant toi. Touche mes fesses, vas-y, avance. Attends, oui. Voilà, continue. Continue, c'est bien. Je vois vraiment rien. En fait, il voit rien. Mais oui, avance. Avance, ouais. T'inquiète. T'inquiète, mais avance, bien, genre. Bien. Prends ma main, voilà, prends ma main. Super voilà. Okay. Allez, avance d'un coup. Continue. Ouais. Vas-y. Regarde, c'est une surprise. Je sais pas, je t'ai dit, j'ai acheté un nouveau véhicule, viens. Vous me dites stop, hein. Continue. Non, là, il y a un poteau. Un nouveau véhicule? Non, un nouveau véhicule. Voilà. Non, il y a un poteau devant toi, rien. Dégage à droite. C'est bon. Là, tout droit. Ok, tout droit. Non, à droite. À droite. Voilà. Là, je vais à droite, là. Encore un peu à droite, encore. Un peu à droite. Tout droit, c'est bon, là. Tout droit. T'as vraiment acheté ce véhicule? Ouais. Mais je l'ai pas mis rose, en fait. Pour l'instant, je l'ai juste mis noir. Ouais, on verra, tu vois. Vous me dites stop, là. Un petit peu à gauche. Hamid, démarre, rentre dans le véhicule d'abord et. Vas-y. Il est loin? Il est un peu sur la gauche, mais en fait c'est un gros véhicule, c'est pour ça. Avance un peu, regarde. Mais c'est quoi, c'est un tank? Ouais, avance encore un petit peu. Encore. Vas-y, viens. J'en étais sûr. C'est trop bien, un petit sac comme ça, non? C'est stylé, ouais. Mais vous êtes des mallettes? Tu mets tout fait avec un carton à l'eau? Mais c'est un cire, en fait. C'est pas un carton, rien, c'est un sac sur la tête.
C'est Chelsea en fait. Vas-y, on va voir si elle arrive, Chelsea, sinon on bouge. Ah, moi, il me faut quelqu'un, une meuf qui vient pique, hein, pas à poil. Non, parce que l'heure du retard, c'est bon, mon frère. Ouais, j'avoue. T'inquiète, je l'appelle. Oui, j'arrive. T'as combien de kilomètres? Là, je suis à 1 km. Ah, kilomètre? Bah, ça va, vas-y, on t'entend. Parce que là, je vais mettre de l'essence si je vais mettre de l'essence. Vas-y, tranquille. Tiens. Lola. Salut. Mais qui voilà-je? Vous, c'est qui? C'est nous. Qui ça, vous? Ah, ça va quoi? Attends, mais. Ouais, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi là-bas? Où ça, là-bas? Là-bas, là, dans la porte où il est sorti Hamid Bandage. Ah, c'est notre local ici. Ah bon? Oh ouais, petit local. Vas-y, mets la musique. Hier, on a vu les deux gars. Pourquoi il y avait les deux gars ici hier alors, Anas? Il y avait qui ici? Deux gars qui guettaient. Non, il n'y a pas de deux gars, c'était ABMF. Non. Ah bon, c'est ABMF. Merci, c'est gratuit. Non, hier. Hier, on est venu ici. Il y avait les deux gars cachés derrière les. Jure. Les trucs là, comment ça s'appelle là? Ça là. Les conteneurs. Les conteneurs. Et on leur a dit, faites quoi là? Ils m'ont dit, on guette un entrepôt. À quelle heure? C'était à quelle heure, Sucré? C'était vers 22h30. 22h30? Ouais, pas mal. Attendez, j'ai les Los qui m'appellent. Non, c'est sérieux, soignant pour les deux guns? Sérieux? Non, sérieux. C'est là. Wesh, Ken! Bon, quoi. Peut-être qu'ils vont soulever des mecs de post-op, j'en sais rien. Ah bon? Ah bah oui, post-op, c'est juste là. Pour ça, non, on est venu ici parce qu'on s'est dit peut-être qu'ils guettent encore. Ah, ok. Non, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais croisé. Je sais qu'hier il y avait les BMF qui traînaient et tout. Mais ça c'est chez vous ou pas? Chez nous? Bah on a juste un garage quoi. Derrière vous. C'est pas chez nous. Hey. Derrière nous? Ça là? Ah ouais non c'est Chelsea. Start là! Oh non mais non. Oh c'est la meuf de Tobias. C'est Chelsea ou Chelsea? Elle vient avec un mec. Surtout la musique j'enlève. Ah j'en ai mon personne. Salut. Mais qu'est-ce qui s'est passé Chelsea? Salut, comment tu vas Chelsea? Ça va bien toi? Ouais, tranquille. Un saut en parachute, mal fini quoi. Ah bah ouais, t'as fini sur le cul du coup, c'est ça non? C'était plus aux jambes que j'ai eu un truc, mais ça va là, ça commence à cicatriser un peu, ouais. Ok. Je peux mieux marcher qu'avant, ouais. Et pourquoi elle veut me voir du coup? Le mec avec toi, c'est qui? Ça c'est avec qui j'étais depuis tout à l'heure. Pourquoi il a pas l'air d'être là? Non, faut qu'on parle tous les 5. Oula. Venez, on va discuter à côté de votre véhicule là. Venez. Parce que là, les couleurs, c'est très bizarre. C'est très tendancieux tout ça. Parce qu'en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, mais il y en a qui sont en train de dire ouais, fuck les roses, braquage contre les roses, je sais pas quoi. Quoi, c'est qui les roses? J'ai donc pas le qui c'est les roses. Justement, on veut savoir c'est qui, et c'est peut-être vous en fait les roses, enfin je sais pas. Pourquoi vous avez un véhicule rose et noir? Là seulement que j'étais au pénis tout à l'heure pour la changer vu qu'elle était rouge de base et c'est moche. C'est très bizarre. Très bizarre cette couleur rose. Pour toi, ça représente quoi pour toi le rose? Parce que même tes habits sont roses. Ah mais ça les vêtements c'est rien ça. Okay. Si tu veux je peux t'appeler un autre et tu verras, ils ont les mêmes vestes que moi, tu as une autre couleur. Monsieur vous êtes qui? Rocinante. Et du coup messieurs dames on vous laisse. Bonne soirée. Vas-y soigne au courage. Vas-y soigne toi, normalement c'est le jagui. Au revoir. Bien sûr. Ouais. Hamid. Ouais. Dis-moi monsieur Blanc, vous êtes sympa. Non, Rocinante. Patiente. Rocinante. Rocinante. Rossignol. Tu viens d'où? Italie. Italie. Italie, d'accord. La maman de la pizza. Et toi, Titi, tu viens d'où? La pizza. Et d'ici, Los Santos, moi. Pourquoi t'as pris un accent? Là, on dirait la prenne accent latino. Eh, d'ici, Los Santos. Viens, Titi, je te parle 2 minutes. Ah oui, MF. Ouais. Carlos. Non, il y a pas de problème. C'est accidenté. Hein? C'est accidenté. Ouais. Excusez-moi. C'est Zidane. Oui, c'est lui. Aujourd'hui, tu donnes 2 500 $ par jour, t'as compris ou quoi? Quoi? À partir d'aujourd'hui, tu donnes 2 500 $ par jour, t'as compris ou pas? Pour le droit de respirer, Roya. 1 500 $, c'est parti. Ah oui, c'est quel côté? Oui. C'est quoi là? Viens. Ah, ok. Ah, t'es une entreprise, du coup? Je sais pas si je dois te tutoyer ou te voir. Non, je travaille à post-op. T'inquiète. Bon, hey, Chelsea. Je cherche un travail. Tu cherches du travail, toi? Ouais, mais parce que je suis 24-7, mais ça tombe bien, mon pote, là. Tobias, lui, c'est le PDG de Post-op. Tobias, le mec à côté de moi, là, le Renault, là. Ouais. Lui, c'est le PDG, justement, il recrute en ce moment à Post-op. Donc, c'est bon pour toi. Bah, je vais voir avec lui, au pire. Bah, ouais, directement. Et je voulais te dire, en même temps, il recherche une meuf, lui. Ouais, mais ça m'intéresse pas. Non, mais écoute, Chelsea, regarde. Toi, tu cherches du travail. Lui, cherche une meuf. Échange de bons procédés.
mais non, ça m'intéresse pas ce genre de choses. J'ai pas envie de. S'il cherche une meuf, au pire, il prend une autre meuf. Mais ouais, mais toi, il t'a choisi toi en fait. Enfin, je le connais même pas, il a même pas mon numéro, j'ai même pas son numéro. Si, il a ton numéro. Si, t'as appelé, mais tu l'as pas répondu. Mais quoi, c'est pas ton type de mec, t'es raciste. Enfin, c'est quoi le souci? Mais t'as vu comment il est beau gosse? T'as vu comment il est beau gosse? Je l'ai pas vu de près, en plus, il était plus tôt, du coup, je l'ai pas vu. Ah, ok. Eh, Tobias, Tobias, viens. Elle veut te voir de plus près, croyant, parce que t'étais de dos, viens. Ouais, viens. Là, tu parleras en même temps de ta recherche d'embauche et tout, nanana. Viens pas, toi, accidenté. Eh, salut, mémé, comment tu vas? non. Tobias, madame charge du travail, je lui ai dit que ça tombait pas parce que t'étais PDG. Attends, il est âgé, tu me dis que je cherche une meuf, mais. PDG de poste, vu que t'étais toi, t'étais PDG de poste OP, Tobias, du coup, vous recrutez en ce moment, elle est charge du travail, toi, tu cherches une meuf, échange de bon procédé, on est d'accord? Tout à fait. Je suis vraiment désolé, c'est bidon, hein, mais je préfère rentrer sur une ambiance plus chaleureuse, madame. Donc je reviens dans 5 secondes. Vas-y. Attendez. Vas-y. Non, c'est bidon, mais attendez, je préfère. Mais il est vieux. Mais il est pas vieux. Attends, t'as quel âge, t'es ici? Mais j'ai 22 ans, moi. Mais il a que 42 ans. Oh, regarde. 42, mais c'est 20 ans. Regarde, entrez. La démarche. Ouais, ce sera la maître. Attends. Oh, que c'est bon. Oui, madame, du coup, vite, madame. Donc, tu recherches du travail, c'est-à-dire, en tant que grand PDG de tout ce qui est l'immobilier, avec mon associé bras droit, MF, mon associé bras gauche, ici présent, Hamid. Enfin, moi, je suis plus à gauche, du coup. Lui, c'est Hamid. Oui, Hamid. Okay. Donc, voilà, donc tu recherches du travail. Nous, on et travaille beaucoup. En gros, là, je suis au 24-7, mais. Ouais, mais post-op, ça gagne grave bien. 24-7 en ça gagne très très bien. De fou et. Non, post-op, franchement, ça gagne super bien en vérité. Hein. Vraiment. Attends, je mange une cigarette. Et au post-op, vous faites quoi exactement du coup? Des livraisons. Bah, Tobias, je te laisse expliquer un petit peu ton travail. Hein. Donc, attends. Ok. Alors, oui, donc, on fait beaucoup de tout ce qui est achat-revente, transactions illicites. Agressif ou explicite. Donc, c'est-à-dire, madame, précisément, on a comme Amazon, tu connais, mais on est au-dessus d'Amazon. C'est-à-dire, on fait des taxes au niveau des produits. Donc, okay. On fait des taxes au niveau des produits, on gagne un grand pourcentage, c'est pour ça que le travail. Non, mais je veux dire, imagine, tu l'embauches, ça va être quoi son travail? Genre, vas-y, tu l'embauches, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Vas-y. Alors, en gros, je vous explique. Donc, dès que vous prenez votre service, vous aurez un beeper. Ce beeper vous envoie directement à un endroit précis où il faudra réaliser le dépôt du colis. Donc voilà, c'est plutôt simple, mais c'est cela. Okay. En gros, c'est d'aller d'un point A à un point B. Est-ce que tu sais bien conduire ou pas? Est-ce que tu sais bien conduire? Voilà. Bien sûr que oui. Ah oh, bah c'est bon alors, tranquille. Oh, c'est bon. T'es célibataire, on est d'accord? Non. Comment ça? Alors ça a posé problème. Ah mais non, parce que plus professionnellement, c'est vrai que ça pose souci, effectivement, ça a fait poser souci. Oh là là, Nas, il y a deux Dogan à ma disposition là, j'en fais quoi? C'est quoi, c'est deux gradés? Il y en a un, c'est un gradé, l'autre, je pense pas. Comment il s'appelle? Daniel, là, okay, comme ça. Non, je connais pas, je connaissais un Tony, mais pas Daniel. Ok. Mais vas-y, j'arrive, vous êtes où? Casino Écurie, hermano. Vas-y, j'arrive. Perfecto. Pourquoi t'es avec vous alors que vous avez 40... Madame, Anas, je te fais comprendre qu'il y a des beaux gosses dans l'entreprise et du coup elle va dévier, elle va tromper son mari. Écoute, ce qu'on va faire, regarde Chelsea, là on a un truc à faire. Un conseil, Harry. On te laisse réfléchir d'accord à la proposition. Et Tobias, toi aussi tu vas réfléchir, maintenant on doit bouger, ok? Il y a des trucs importants à faire. Vas-y Chelsea, force à toi, bon courage. Vas-y, fais attention sur la route. Force à vous aussi. Ouais. Montez, je vous explique. Chelsea, je t'envoie un message. Attends, on doit faire vite. Je t'envoie un message, Chelsea. Bisous, on a un bleu saint. Les gars, les Aztecas, ils ont chopé deux Dogan, ok? Il y a un, apparemment, c'est un gradé, et l'autre, je sais pas. Donc là, ils sont au niveau du écurie casino. Mettez-moi l'adresse, s'il vous plaît, on va aller les voir et on va leur mettre un coup de pression, ok? Donc Tobias. Ouais, Tobias, Tobias et Hamid, vous allez leur mettre un coup de pression, d'accord? Mais alors là, mon pote. Mais genre passe à sa tabac et tout, c'est pas juste vous parler, hein. D'abord, vous parlez tranquille. Je vais lui mettre du tabac dans la bouche. Vous êtes bon copain et tout, et après, hop, tu le mets à l'envers. Vas-y. À l'envers avec les cheveux ou pas? À l'envers avec les cheveux, comment ça? Ah non, parce pas! Il coupe les cheveux en gros. Ah! Ouais, si. Ils vont manquer de respect, clairement. Bah, si tu m'autorises, moi, bismillah. Ouais. Regarde, Hamid, c'était pas au courant.
tu vois, genre, tu te rappelles quand on a organisé le combat illégaux, etc. Et la participation coûtait 50 000 $, ok? Oui, oui, par groupe. Les marins ont payé, Azteca sont payés, les Degan, regarde, ils font la sourde oreille. Ça fait une semaine, je les relance, pas de nouvelles. Ah, ok. Okay. Frérot, ouais, ça va. Ah, t'inquiète, t'inquiète, on va s'en occuper, Tobias et moi. T'opérer la magie. C'est nous. Hola, avec Genos. Hola. Hola, hola. On arrive. Moi, je suis agressif, mais c'est toi qui parles Hamid au début. Après, on échange. Est-ce que vous êtes surpris un peu de la vitesse de l'exécution? Ouais, ouais. Ouais, incroyable. Rapide. Vous parlez là. Le collier est prêt. Il y en a que deux, mais j'ai dit qu'il ramène tout le monde. Comme ça, vous parlez à tout le monde, non? Voilà, parfait. Là, on est resté là, on attend que. Oh, on attend. Oh, allo? Ouais, ça va quoi? Oh, c'est qui? C'est Anas, wesh, comme ça, c'est qui? Ah, Anas, ça va ou quoi? Anas Filika, tout ça, ça raconte quoi? Ouais, ouais, bah là, je suis avec une pote, je barote tranquille et toi? Jure, elle s'appelle comment? Léana. Oh, connais pas. Tu la connais? Vas-y, présente, wesh. Bah, vas-y, tu vas se rejoindre où, je la présente? Vas-y, je finis un rendez-vous, après on se capte, c'est bon? Ouais, vas-y, bah après, elle, c'est le contraire de moi, je t'annonce. C'est-à-dire, genre, elle est belle. Putain, le bâtard, là. Tu verras, vas-y, après, on se capte. Vas-y, ça marche, vas-y, à tout à l'heure. Faut qu'on fasse un topo. Vous me dites quand je lui mets une patate, je vais lui mettre une roquille, parce que celui-là, il mérite des ifs. Non, faut lui montrer les termes. Ouais, vous me dites quand je me lance, j'y vais direct. T'inquiète, on va leur parler déjà tranquille. Vous me lancez. Hamid, toujours pas? Non, j'ai pas de bandage. Déçois, t'as changé. Mais non, j'en avais exceptionnellement, c'était pour frère, tu ouvres un hôpital, dis-nous. C'était pour le combat, sinon. Je vais ouvrir une pharmacie. Dis-le, tranquille. Du coup, tout le reste du robot arrive. On attend. Hein? Puis-je tester la cochée? C'est quoi ça, la cochée? La cochée. Ah, la révoltaire. Ouais. Coutilo. Oui. Vas-y, teste. Puis je niquer ta mère, va là-bas. La vie de ma mère, je fais pas de dinguerie, je jure. Va là-bas. Il s'avère que j'ai un autre truc de prévu là, frapper d'autres gens. Jure, mais toi, mardi saint, tu frappes des gens, toi? Tout à fait. C'est le but de mardi saint. C'est pas ça, regarde, c'est sanguin en fait, mardi. Appelle ton amigo là, au pire. Non, lui, on veut plus le voir. T'as bien ça? Kefta. Ouais, non. Lui, il le stage, il part en couille à chaque fois. J'arrive. T'es mort, André, ils font le Paris-Dakar avec leur 4x4. Ouais, je pense que c'était la manœuvre. Approchez-vous, les gars, Et par contre, je vais leur imposer le respect par rapport au retard. C'est vrai que le retard, inacceptable. Armando, tu leur demanderas où sont passés les 1 euro. Ah ouais, toi, ta gueule avec tes deux videttes, c'est bon, wesh. Et les deux canons? On va discuter, mais on n'a pas tout notre temps, d'accord? Recule, t'as fait trop. Attends, comment je commence à m'énerver déjà. Recule avec Kevlar. Tu vois, ça arrive déjà en Kevlar et tout. Ah ouais. Range-toi, flingue. Salut. Je vais avant que je t'éclate une patate là. Dites à l'autre derrière qu'il a ferme. Tu vois, c'est toi. Ok. Tu peux bien se tourner, mais là, tu veux pas mourir. C'est bon, attends, j'écoute. Mascara, des averbes que nous avons attrapé deux de terre maintenant. C'est là-bas là, tu les reconnais ou pas? Ouais. Il s'avère que vous n'avez pas respecté un accord. Et du coup, nous, tu connais Armano, hein, nous. On va régler les choses directement à la source. C'est quoi qui est là? Je vais te laisser parler avec le premier concerné. Vas-y. Ouais, Wesley, ça va ou quoi? Ouais, tranquille toi. Bah, ouais, mais plus de nouvelles depuis 4-5 jours, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je t'envoie des SMS, tu réponds pas. Je t'appelle, tu réponds pas. J'appelle je Tony. Quand? Tous les jours, je t'appelle, hein. Encore hier soir, je t'appelais. Encore tout à l'heure, je t'appelais. Mais pour? Pour les 50 000 $? Mais Charlie te les a donnés, non? Mais qui m'a donné? Mais on m'a rien donné, hein. On m'a rien donné. Là, vraiment pas de ma faute, hein. J'avais Attends, qui m'a donné de l'argent? Qui lève les mains directement? Il est pas là. Mais on m'a rien donné, tu me donnes pas de nouvelles, tu réponds pas à mes messages, je t'appelle, tu réponds pas. J'ai parlé à Tony. T'es sûr tu m'appelles moi au fait? Attends, tu veux que je t'appelle maintenant? 301-654? Bah, je peux t'appeler maintenant si tu veux. Là, je t'appelle. Ah, ça sonne, hein? Bah, non. Si, ça sonne, j'entends la sonnerie. Bah, vraiment pas. Moi, là, j'entends la sonnerie. Si, ça sonne, hein. Aucun appel. Mais bon, on va dire que. Ça crie, mais je reçois vraiment aucun appel, hein. Ok, bah, vas-y, appelle-moi, toi, directement, alors. Attends, regarde, je t'appelle. Bah, ouais, c'est bizarre, c'est le même numéro. Allo, tu m'entends? Ouais, allo. Ah, bah, oui, mais t'as pas changé le numéro? Non. Bah, voilà, donc tu te fous doublement de ma gueule, en fait. Non, bah, non, clairement pas. Mais tu viens de m'appeler avec le même numéro.
lequel je viens d'appeler. Mais j'ai pas reçu l'appel. Ça n'a aucun sens, ça a sonné. Téléphone. Enfin bref, c'est pas grave, ok. Bref, j'ai pas eu l'argent, ok. Donc il est où, tout simplement? Ah, j'avais donné à Charles, après, s'il te l'a pas donné et qu'il me l'a pas dit, ouais, erreur de notre part. Ah oui, clairement, parce que là, le problème, c'est... Le problème, il vient de chez vous, étant donné que nous avons absolument rien reçu. Ok, non, je dirais à Charles là de ramener les sous, mais c'est le problème, c'est que c'est vraiment lui. Attends, je comprends. C'est qui le chef? C'est toi, non? Ah, c'est moi. Mais tranquille, donne-moi mes sous, après tu vois avec ton gars. Vas-y, attends, je vais dire à un de mes gars de ramener des sous, au pire, XMR ça. Prends tes responsabilités, Harry. Ah là, monte, c'est qui le patron? Tu me dis quoi, je te dis agressif. Ça va, y'a pas besoin. Je leur parle, je dois partir. Tu veux, nous pouvons animer la discussion avec eux. Si tu veux, nous pouvons animer cette discussion. Bien le bonsoir à tous. Salut. Bonsoir mes garçons. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous. Comment allez-vous, très cher citoyen? Ça va, tranquille. Ça va, c'est pas le trapper nos. Est-ce que vous acclimatez bien aux États-Unis? Oui. Bien les États-Unis. Oui, êtes-vous américain d'abord? Vous êtes en vacances? Je suis presque américain, je suis marocain. C'est-à-dire? Je suis marocain. Dis-moi tout, as-tu la nationalité américaine? Non, j'ai une carte séjour, j'ai la green card. Non. Les frères, ça. Allons-en, il a le passeport vert. Moi, je n'ai pas le passeport vert. Je ne pas avoir à faire ça. Je pense que la conversation. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contre? Non. C'est pas contre. Mais après, au niveau historique, je veux dire, vous êtes pas des Américains, vous êtes juste des Européens qui parlaient anglais, les Américains de base. Voilà. D'après Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, vous avez envahi. Il ose insulter. Tu m'as fait dormir. C'est un mélange de français, d'anglais, d'allemand, d'italien. Il ose insulter. Voilà, je suis blond pote. C'est bien mes potes. Affirmation qui dit. Ouais, non, c'est juste un petit rappel historique. Ça me dépasse. Philippe, je fais où? Philippe, Votoline. Je vais le remettre droit chez moi. Si je peux me permettre, je pense que excusez-moi, moi j'ai une question là. C'est ça les Dougan, des asthmatiques? T'as capté, t'as pas demandé d'ouvrir ta gueule. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Après le film, t'as pas demandé d'ouvrir ta gueule, connard. Qu'est-ce qu'il fait? T'as demandé d'ouvrir ta gueule. Manquez pas de respect. Tu t'as dit en plein chose, tu n'as pas à me causer. Je crois que vous avez oublié la position dans laquelle vous étiez. Honnêtement, on se respecte, Et fermez la touche. On arrête les insultes. Ouais, le prochain qui insulte, je le fais une dinguerie là, Hermano. On vous parle calmement, parlez-nous calmement. On est d'accord, Réfé, on a bleu sang. Tout dans la condition que vous êtes, n'oubliez pas que. Ouais, pas de soucis, c'est pour ça. Vous avez des otages derrière. On a des otages, je me suis emporté. Mais calme ton gars aussi quand même. Mon gars, il a rien dit, il a juste dit qu'il y avait des asthmatiques chez vous. Et encore une réflexion sur le poncho. Moi je dis qu'il a essayé sur des chaussures. Légèrement énervé, sachant que c'est une tenue pour notre religion. Parle bien, mon grand, parle bien. Ok, je suis un peu moins. Plus mardi ça aujourd'hui. Du coup, les deux gars, vous venez d'où? Surtout le mardi. Nous venons de Texas. Du Texas. Mais vous venez d'où aussi? Vous êtes aussi étranger que nous en vérité? Non, mais oui, c'est les États-Unis. Oui, mais c'est clairement un autre État, je veux dire. Oui, bien sûr, mais nous sommes quand même dans le pays. Mais c'est vous, et donc quel problème pour étranger? Un seul. Mais Roya, t'as le teint d'un Congolais, t'es aussi noir que Tobias, tu me parles d'Amérique. Non, mais lui, on ne considère pas comme un Degan, sachez-le. On n'aime pas. Ah, voilà, merci. Il en va quand même. On n'aime pas. Ce n'est pas un vrai. Il est en stage d'insertion. C'est ça, de découverte. Non, il est bientôt mort. On n'a pas le droit d'être bronzé, c'est ça. Bon. Bah apparemment vous avez de l'argent, mais pour aller chez 50 000, ça vous inquiétez fébril, pas, hein. On a l'argent, on est parti le chercher. Ah ouais. Tranquille. Il y a la police. Tout à fait, il y a la guardia, donc écoutons ce rendez-vous. La plata, elle est où là? Il est arrivé là. Écoutez, moi je m'engage. T'es à combien de temps, Wesley? Non mais les flics, c'est pas pour nous, de toute façon on s'en bat les couilles. C'est pas pour nous, Ah si, c'est pour nous, attends, ils nous regardent quand même. On a pas de chance que ce soit pour nous tous. On fait des paris sur les chevaux, on a le droit. Au pire, nous achetons des... Rangez vos armes tous. Rangez vos armes, on va se des pur sang de gagne. Bien sûr, nous sommes connus pour nos chevaux pur sang. Des pur sang arabes en plus. Bonjour. Non, pur sang américain, pur sang texan. Ah, c'est pas ouf ça. Ouais, bon, est-ce qu'ils vont casser leur gueule de merde d'ici? Ça existe. Sinon, pas en plus les pur-sang, je crois, américains. Oui, ça existe pas. Les pur-sang indiens, oui, mais américains. Oui, c'est pas ça. Ils connaissent rien en cheval, ils sont bons que dans mon assiette. Moi je connais très bien les Zeval. Évite. Ah oui, le Zeval, faut pas parler à Tobias de Zeval. C'est là, on va venir, tu nous éclaires. Spotlight,
Oh, je vois la lumière blanche! Je vois la lumière blanche! Un hélicoptère, ça coûte combien? Ouais, c'est rangé. Pour le cheval de tout à l'heure, on va le prendre combien? Oh, bah allez, on vous le fait à 50 000 dollars. Bon, tu parles sur quel cheval, Hermano? Hermano, il s'avère que j'en emploie du temps très fourni. Là, je dois les taper quelqu'un. Moi aussi. Moi aussi. Bah attends, je crois qu'il y a peut-être leur chef là qui vient. Mais ne t'inquiète pas. Ah, c'est bon, j'arrive. J'ai un retable demain, c'est bon. Non, vas-y, demain ça va être encore une autre histoire. Et non, le mec finalement il m'a pas dit, nanana, c'est bon. Ça fait 4 jours que ça traîne. Récupérons l'argent. Tiens, je suis parti, je suis une liasse. Je pense qu'il va se faire pas de mie. Tiens, parce que franchement, te donner 50 000, m'en fout un peu, tu vois. Mais pareil, moi je m'en bats les coups de l'argent, c'est juste que c'est pas possible. Vas-y, les gars. Allez, salut. Tranquille alors. Fin d'histoire, c'est réglé. Bonne soirée. Finalement, je t'aime bien. Mais moi aussi, je vous aime bien. Faire un bisou. Peut-être pas le bisou quand même. Faire la bise. Non, peut-être pas. Faire la bise. C'est une coutume de notre pays. Non, mais écoutez, quand j'aurai le passeport américain, on se fera la bise. C'est bon ? Je vais voir la bisou. Arrête. Tu fais quoi ? Ça va ? Il n'est pas pour les bisous, c'est ça, ok. Je s'embrasse. Bon, soignez-vous. On se capte. Attends, tiens, je te donne 10 ans. Y'a du monde, c'est comment là? Ça se passe quoi? Ouais, c'est un petit rendez-vous de punition. Je te donne le même talent, ok? Vas-y, ça marche. Ah non, ça va quoi? Alhamdulillah, j'ai raté quoi? Rien! Barrette spéciale? Eh bah, c'est fini. Eh, le gars, il s'est vraiment foutu de ma gueule. Il m'a dit, Zerma, j'ai pas son numéro, je l'appelle, ça sonne. Incroyable! On a très bien entendu. Et il me rappelle le même numéro, je dis, mais il se fout de ma gueule, lui, c'est pas possible. Ah ouais, il a dû touper, mais genre non, tranquille, non. Il sait pas mentir. Voilà, dis-lui. Ah oui, Adnan, faut qu'on te présente une meuf qui va elle-même nous présenter une nouvelle meuf. Ouh, ouais, comment Jazz qui va nous présenter Léana. Jazz, comme Jazz. Ah oui, Jasmine, ou la Jazz Pirateur, ou la comme tu veux. J'assume, j'assware. Et là-bas, c'est la Hila de Tobias, ça, ou c'est comment? Ouais, mais de toute façon, toutes les meufs, c'est les meufs de Tobias, je crois, pose pas la question. Mais bon, y'a aucune meuf qui veut de lui, tu vois. Bah, tu rigoles? T'es fou? Par contre, si, vas-y. Moi, t'as été dans le coma pendant une semaine, toi, voilà. Voilà. Voilà, si, tu peux que je te une patate, toi aussi? Oh non. Je vais mettre dans le droit chemin, Eric. Et après, on va faire une formation Labo Met Madrazo. Une petite formation au calme. Il va nous présenter comment il fait ça avec des combinaisons, tout ça. Et nous, on leur fera une formation Filica. Échange de bons procédés. C'est une formation, c'est une intérim ou c'est quoi? Bah, en fait, avant-hier, on a fait une formation à Stekas. Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Bon, il y a juste un Oji Balas qui s'est mangé un coup de couteau, Mskin, c'était un peu triste. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va en vrai. Ouais, déjà, ça va quoi? Ouais, on est dispo. T'as raté ma pote dans 5 minutes. 3 minutes, même. M'en fous. T'es où? Ok. Là, je suis à la TM de la Super du Sud en face de Quartier Familles. Envoie la pause, s'il te plaît. Ok. Vas-y. Roya, t'as cru qu'on allait faire un go fast sur la jugular? Gigoulé. Mais il est fou ou quoi? Vas-y, suis-moi, Roya, suis-moi. Suis-nous. Ouais, c'est nous. Oh quoi? Ça va et toi? Je me dis, je la touche pas elle. Ça raconte quoi? Ça va et toi? Je la touche pas. C'est parce quoi? Ça fait quoi comme rêve? Elle est où l'autre meuf là? Ah en fait, elle m'a dit, j'ai envie de dormir, vas-y et tout. T'as envie de dormir à cette heure-ci là? Je la accompagne dans l'hôtel. C'est un enfant, wesh! Bah oui, c'est un enfant, wesh! Elle a 21 ans. Vas-y, vous êtes. Ça passe. Ça va comme rêve tranquille? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Oh, tranquille toi! T'as fait quoi? Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait partir de la verte et c'est tout. Tu crois que je fais ce coup? Hein? Tu es à quoi? Partir de la verte, c'est tout. Comment ça fait partir de la verte? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? À ton avis. Non, je sais pas. J'ai bébé de la salade quoi, du nana. T'es sérieux là? Ouais. Un jour t'as un champ de maïs? Mais... Attends, mais t'as ramené ça d'où, wesh? Ah, je me la suis fait prendre. Enfin, je l'ai prise dans le sud là. Des gangsters, ils vendent ça. Ah, tu vois, tu cherches les problèmes toi en fait. Pourquoi? Mais tu cherches du bif, tu cherches pas de problème non? Ah ouais, je cherche du bif. Mais tranquille, hier on a tapé quoi hier? On a tapé une flica non? Ouais. On a tapé une flica, bon on va donner ta part, y'a pas de soucis tu vois. Mais c'est pour que je en fait. Non, parce que tu m'as passé une machette donc j'ai rien dit. Donc ça suffit, une machette pour toi c'est bon ça. Bah ouais. Ok. Tu coûtes pas moi, cher. Tu me donnes une main, je prends une main. Tu me donnes un bras, je prends le bras. Vas-y, tranquille. Maintenant on va donner de l'argent un peu. Pour des plus. Tobias, c'était quoi? Va faire les courses avec Jas. Va faire les courses vite fait avec Jas. Vas-y, on va faire les courses, on va faire de shopping. Viens faire les courses, je te montrerai. Ils vont faire les courses vite. Alors, les courses. On fait la course. Ouais, César. Est-ce que tu veux du sang, Madin Mexico, là, un stage d'initiation improvisé, non? Ouais, de fou. Ok, rendez-vous. Mais vraiment, il faut que tu sois là, vraiment. Là, je suis en voiture, là, je peux y aller. Alors, taxi, je te récupère. On fait vraiment la course. Mais là, on est vraiment beaucoup, hein.
On est genre combien 3, 5. Avec un K ou les courses avec un K? Pourquoi? Ouais, on a deux véhicules. On a deux places, non? Ah, on a deux véhicules. Mais vous avez de quoi vous masquer et tout? Ouais, ouais, on a de quoi. Avec un C, non? Pourquoi? Ok, je te récupère au taxi, non? Vas-y, vas-y, ça marche. On est 5, ok? C'est bon? Ok. Vas-y, vas-y. Les gars, venez, sortez, masquez-vous, on va aller voir les madrazos, je sais pas quoi, initiation au sang. Venez, on va entreprise taxi. Sortez. Initiation au sang en fait. Ouais, initiation au sang. Initiation au champ. Au champ, mais des conduits. En fait. Vas-y, donne ton pote là. Vas-y, moi. Quoi le programme? T'inquiète, tu vas voir c'est quoi le programme. T'inquiète, mon pote. C'est quand tu dis t'inquiète que je m'inquiète en fait. Ouais, si. César. Vas-y. Salut. Bon, nous on est prêts, on a récupéré. Il est avec nous là. Bon, vous êtes prêts? On est là. Hein. Vas-y. Hein. C'est totalement improvisé. Bah, on adore ça. On adore ça. Les cheveux. César. Okay. Ça marche, dès que je reçois une pause, on attaque. Jas, tu regardes avec les yeux, d'accord, et t'écoutes avec les oreilles. Je fais la stagication. Voilà. Donc on touche pas, même un peu, hein, non? Non, on touche pas. Hop. Oh, putain. Oh, t'es malheureux, c'est un peu, t'es malheureux. Oh, j'ai fait. Ça fume. Attends, change-toi. Changer ? Non, t'es mal, il est break, tout. Allez, tout le monde, les mains en l'air. On se dépêche. Baisse ton arme. J'ai vu dans les films quand c'est comme ça va tirer. Tous contre le mur à gauche, écoutez-moi, tous contre le mur à gauche, dépêchez-vous, tous contre le mur. Allez, contre le mur là, vamos. Range ton arme, dépêche-toi. C'est parfait. Oh, ils ont tapé le rendez-vous Aztecas. Retournez-vous. Et les motards. Vous êtes en train de faire une erreur de fou malade. Range ton arme, mec, t'as ta poca là. Y'a des Aztecas au-dessus de la colline. Un soldado là qui vient me les fouiller là. M'avait pas dit qu'il y avait une dépraille d'essai. C'est bon, tu vas pas en faire quoi là. On est très beau, mais vous avez pas de couilles, hein, vous braquez avec des masques, bande de merde. On braque avec un pompe aussi si tu veux, on braque avec un pompe. C'est bon, taisez-vous. C'est ça du stage, ça c'est du stage. Vous savez, les bikers, c'est des travailleurs, faites-les remplir. Boller 1, boller 2. Allez, tu vois le boller qui est blanc là-bas. Boller 1, boller 2, va boss. Remplis la fonte. Il a des vagos. Dépêchez-vous, chargez pour nous. 80. Vamos. Assis-toi. Je peux prendre un selfie ou pas? Un soldat qui vient là, il y a un vieillard. Tu vas mourir toi. Mais amant, on fait partie des trucs. Mais t'as cru que t'étais un TikToker ou quoi? Mais je suis masqué à Zarbi. Mais c'est pas pour toi, mais ils vont voir. Tu sors. T'es masqué à Zarma, t'es protégé. Zarma, t'as cru que t'étais roi du Zog, ils vont pirater ou quoi? Mais regarde, t'es malade. Allez, seigneur, un peu d'énergie. Tu vis dangereusement, Adnan. Bah, la vie d'amour, quoi, non? Vie d'un coco, ouais. C'est la vie d'un bonbon. Alors, Jas, t'en penses quoi? Ça a de la gueule, hein? Ouais, je m'attendais pas à ça, mais. Je comprends rien en fait, c'est pas en fait, c'est un rendez-vous entre un gang, Aztecas, tu vois, les bleus, et les motards. Et t'as les madrazos, comme tel, qui les a tapés au moment de la transaction. Donc là, ils sont en train de leur voler leur cargaison, tu vois. Bon, c'est okay. Gratuitement. Oh putain. Non, pas tout mon argent. Hé, Hermano, viens. Ah, ça, c'est bien ça. Est-ce que qui vend l'arbre alors? Laissez qui vend les arbres? Parce que les bikers. Sans rien, moi. Ramène l'argent là. Quoi, tu sais quoi, t'as ouvert ta gueule pour rien du tout? Pourquoi on est là? C'est ça que je comprends pas. Le stage d'initiation. Où la plata? Elle où la plata? Toi aussi, stage. Tu vas me prendre 45 000 là? Tout le monde stage. Elle est où la plata? Elle est sur moi, mais tu vas pas me prendre 45 000. Vas-y, mais ça, tu sais, fais ce que tu as à faire. On va faire un truc. Tant, j'en ai rien à foutre de cette attaque, dépêche-toi. Tenez, monsieur masqué. Tenez. Me réponds pas parce que je vais te fumer. Ah, vas-y, c'est. Eh, venez, on se boire, ça va, non? Viens lui donner de l'argent, attention. Ça y est, on parle pas, ah, mon lance, pas mon lance, on se dépêche. Va écouter, vous commencez à remonter dans les coachés. Señor es Aztecas, señor Ness Lost, merci d'avoir fait des affaires avec vous. C'est un plaisir. Et puis la prochaine fois, à la même position, ce serait impeccable. Affaire à qui, en fait? Un affaire à qui, la raison, Lost? Vous braquez des gens masqués, pas d'hommes ici. Revendiquez-vous un peu pour voir. Oui, des hommes. Est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à foutre de tes états d'âme? T'es content? T'es pas content? J'en ai rien à foutre. C'est bon, réfé des réfés. Ouais, c'est bon, mais t'as l'air de bien me connaître, vu comment tu m'appelles. Bien sûr que j'ai l'air de te connaître, comme je connais la personne qui est en face de moi aussi. Inch'Allah, il est midi. Ah, donc on se connaît alors. Que nous et les Lost, on vous connaît, c'est ça? Tout le monde connaît tout le monde. Perfecto, ben on se retrouvera alors. Laissez de corriger la le. C'est très bien, mais retire ton masque et tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre le carré dans le cul, j'en ai rien à foutre. Vamonos. Allez, hasta luego, señor. Gracias por tout. Je savais pas que des Aztecas c'est des salopes, toi. Adnan, c'est un bâtard. Enes, d'un point de vue extérieur, t'en penses quoi?
Ouais, c'était cool, c'était sympa en vrai. Mais je pensais qu'il y aurait un petit bain de sang, une petite fusillade ou quoi. Tu oui, mais c'est ça. Après, c'est que le début, je pense qu'il avait dit on allait prendre les tenues des chimistes. Tu te rappelles? Ah oui, oui, oui. Je sais pas si ça va se faire en vrai. J'espère que vous avez bien aimé, Seigneur. Ouais, ouais, c'était sympa. Donc c'est, à... Donc, c'est les Aztecas et les ouais, Lost, c'est ça? Et les Lost, c'est ça. Et quoi, ils faisaient une transaction, c'est ça, de d'armes? Transaction. Non, d'armes ou de drogue à drogue. Bah attends, mais les Lost, ils ont fait ça juste à côté de leur truc, ils sont sérieux? Ouais, ah ouais, c'est pour ça qu'on les a punis. Restez pas ici, Seigneur, rentrez, là, rentrez à l'intérieur. Vas-y, rentrez. Ouais, c'est bon, ça. Et où, César? Si, venez, venez. Il arrive. Ok, ok. Patron, les invités, on va les faire rentrer au salon. Allez-y dans le salon, c'est... asseyez-vous, Seigneur. Ah, c'est gentil, merci. Allez-y, rentrez. Vas-y, essayez, bon. Oh là, c'est pas mal essayé, j'aime bien. Nice. C'est quoi, c'est un Remington celui-là que t'as comme fusil à pompe? Un Remington, Romano, exactement. Ah ouais, d'air, ça, mon pote, ça flingue. La casse, ça se passe comment? T'aimes bien le produit, t'aimes bien la casse? Ouais, la casse, c'est bien. Impeccable. J'ai compris, c'est des stagiaires du crime. Ok, ok. Elles sont les conventions de stage. César, je suis prêt. Bismillah. Hop là. Let's go. Eh, mais il nous faut ces tenues par contre. On va les garder, vos tenues. C'est vrai que, par contre, il faudrait qu'on passe commande à l'un de tes... Ouais, vous en trouvez. Tu peux en avoir en noir, Hermano. Pour la bagatelle de 200 000 dollars. Peut-être. Vraiment. 200 000 dollars. Rien à dire. Non, je pourrais vous en trouver, ouais. En noir, ouais, je vais voir avec les fournisseurs. Oh, t'as bien fait ça. Ouais. Tu joues de piano, t'as bien ça. Incroyable. Effectivement, je pratique le piano. Ouais, tu fais du violon sur du piano. Je suis désolé, j'ai pris le piano. Waouh, c'est vraiment beau. Mais tu joues très très bien même. Hein. Ah, il joue super bien. Laisse-moi écrire dans mon délire, laissez-moi. Bon, convention de stage pour 5 personnes. C'est ça, ouais. Attends, excuse-moi, Nas. Oh, vas-y. Lève-toi, hijo, cabron, lève-toi, t'as cru que t'étais où là? Et au Péléco, fils de pute. Oh. Non, mais c'est agressif. C'est... Qui ça, moi? T'as dit toi. Quoi, Marco là? Ah, moi, t'as Rockillo, tu connais, petite pause. Ça m'arrange. Lève-toi là. Lève-toi. Ouais, désolé, seigneur. Bon, 5, convention de stage. Oh, la chica, par contre, enchantée, César. Hashback, tranquille. C'est un bonhomme, s'il vous plaît. C'est une meuf, bon, 9-3. C'est une femme, je te dis. Ok, enchantée. J'aime bien ta dar. J'assume. Comme ils disent. Ma dar. C'est quoi, ouais, ma dar? Ta maison, ça, je trouve. Ah, ma maison. Ta maison, elle est une quicheta sous le bandana, je suis mort. Pardon. Portefeuille. Ok, donc 5 conventions de stage, alors ça marche, impeccable, on va vous amener directement à notre lieu d'exploitation. On va juste vous demander de vous mettre aligné quelque part, ouais. Pour des mesures de sécurité évidemment. Ça marche. Là, la main tout de suite. Ah ouais, Octavio, okay. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Je vais nous mettre un sac sur la tête. Je te sais. Alors vous, alors moi, je sais pas. Oh, je vois rien, derrière. Qu'est-ce que c'est, Kate, à la lumière là? C'est pas grave, t'inquiète. T'inquiétez pas, ça va bien se passer. Oh là, moi j'ai peur, mais tranquille. Ouais, c'est pas raciste, mais j'ai peur du noir, t'as vu? Vous pouvez nous soulever au pire, hein? Ouais, portez-nous. Parce que là, on va galérer. Attendez, Jean. Allô, la chica. Les mecs, fais tourner. J'en ai plus rien. Le patron, il ressemble à la chica. Je vois pas très bien. Voilà. Alors, on y va. Patron, on prend leur côté ou pas du coup? Je vous laisse juste lever les mains, Chiquita. C'est moi-même. Elle est lourde, Helloufa. Et vous? Parti. Attends, on prend leur coaching ou pas? Préfère Stekas, il m'a appelé, mais je pouvais pas répondre. J'étais avec les Madrazo, tu vois. J'allais être en mode ouais, je te rappelle plus tard. Viens me chercher devant le garage. Vas-y. Attends, je vais faire comme dans les films. Je vais sentir les secousses, je vais compter le nombre de secondes. Comme dans Taken. Taken 3, bonne chance, ouais, Taken 3. Taken 2. 2 2 ouais, avec 2. Le son de l'église et tout. Je sais pas pourquoi. J'étais sûr qu'il allait faire ça. Je suis en train de compter. 24. Mais t'entends les oiseaux qui chantent. Eh, César. Ouais. Bon chance. Attention. Oh, bah là, il peut compter autant qu'il veut, je crois qu'il est perdu là. Ah là, mais tu mets l'entrée dedans, enfoiré. Tu m'as fait une contre-technique là. Eh, avec mes oreilles, je sais où on va. Le voltage, je crois, patron, elle est trop. Je vais te penser à un truc, connasse. Ah, vas-y, je t'écoute. Imagine, genre, tu m'as trop fait confiance rapidement. Imagine, en fait, j'étais d'indic de police. Mais je te bute maintenant en fait. Okay. Comment ça indique de police? Mais j'ai dit imagine, c'est tout. Imagination. Mais comme je t'arrache la tête. Imagination, je t'arrache la tête. Ok, ça va, c'était juste pour, tu vois, parce que je cogite là dans le noir. Ouais, mais faut pas cogiter comme ça, wesh. Fais attention, Chica, fais très attention. Hein. T'es Chiquita, moi. Et la foutre. Fais gaffe, Conchita, on va pas rigoler si t'es l'indic. Hein. Y'a quelqu'un? Allô? Eh, vous m'entendez? Oh, on t'entend, Sarbi. Roya, ils sont partis, wesh. Personne avec toi? Roya, non? Personne qui te répond? J'ai oublié mon collègue, monsieur. Y'a quelqu'un? Je suis dans l'eau, je meurs là.
Je meurs. Allô. Glou glou. Ah bah je suis mort. Glou glou. Glou glou. J'ai l'impression d'être dans une voiture, mais y'a plus personne avec moi. Oh, t'as bien retiré ce que t'as sur la tête et tout. Voilà, je vais retirer le sac. Oh, t'en bats les couilles. Oh, tu. Roya, je suis à Paletto. Voilà, je suis à Paletto, Roya. Attends, j'envoie la pose à César. Ouais, donc en fait, tout ce que j'ai prévu pour que pour nettoyer les traces... J'ai le sac, t'inquiète, j'ai le sac. Mais comment t'as fait pour envoyer la police? En fait, j'ai eu mon téléphone dans le sac, au calme. T'inquiète, et là, je suis en train de te parler, pareil. Ok, donc là, tu sais pas où ce que t'es? Pas du tout. Et ok... Je sais que je suis sur une route, mais je sais pas... Attends, j'en ai deux, là. Ok. J'en ai deux, elle où, Chiquita? Je sais pas. Il y en a qui sont tombés dans l'eau, apparemment. Oh putain. Sérieux là? Voilà, y'en a deux qui sont tombés. Tobias et Hamid qui sont tombés dans l'eau. Me voilà. Wouah, tu m'as fait peur. Oh là là, oh là 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 là, toi aussi tu manges très bien même. Alhamdoulilah, l'harira, roya, et les yeux sur le plat. T'as dit quoi, Jess? J'ai de l'eau dans les poumons encore. T'as de l'eau dans les poumons, mais t'es où? Je sais, habillé en pyjama. T'as habillé en pyjama? Dans une chambre d'hôpital, je crois. Une chambre d'hôpital? Vas-y, c'est quel hôpital? Nord ou sud? Sud, ta mère. Hôpital sud? Vas-y, t'inquiète, je t'envoie une navette quand j'arrive. Je me tiens prêt. Reste en pyjama surtout. Ouais, t'inquiète, j'avais pas changé. C'est une affaire gratuite. Mets-toi en bord d'eau, elle va faire du stop, je pense. C'est bon, je suis à l'arrière. Attends, faut que tu me déposes. Fermez la navette. Ouais. Salut. Ferme les yeux, Chiquita. Ok, je sais pas où on est. T'es en pyjama, le Renza? Enfin, t'es en pyjama? Ah, elle est venue en pyjama. Oh, elle s'en bat les couilles. Ah, elle était confortable, qu'est-ce que c'est gratuit en plus. Tu me dis cache-cache quand je peux me retourner. Donne-moi ta main. Ok, tiens. Je ferme les yeux. Allez, monte dans le coffre, monte. Monte, allez. Parti. Alors, rendez-vous d'affaires en pyjama au calme. Allez, vas-y, tiens-moi. Tiens le sac. Il va te guider. Ok. Putain, tu m'as pas dit qu'il y avait une marche, attends. Anas. Ouais. Juste à gauche, il y a une marche. Ouais. Et allez-y, tout droit. Ok, tout droit. Non, vous partez trop loin, là. Ok. On fait à gauche, à droite. Non, mais je viens. Toi, vas-y, accroche-toi à moi. Ok, je m'accroche. À droite, directement. Voilà. Ouais. Et vous, Seigneur, tournez-vous. Comme ça. Encore. Comme ça. Voilà, venez vers moi tout droit. Et là, à votre droite, directement. Voilà, je mets vos doigts sur la sonnette. Ah, voilà, c'est mieux. Descends, je t'en prie. Attends, je vais mettre mon masque, Roya. Je l'ai pas acheté pour rien. Quoi? À vous de rester en bas. Non, mais viens ici, toi. Je retrouve toute ta famille, je la trucide. Non, pardon, c'est ça. J'ai lancé la machine, c'est bon. Lancez la machine. T'as appuyé sur des boutons que tu savais pas. Exactement. Tu sais qu'ils sont très énervés. Là, je les écoute à la radio depuis tout à l'heure. Il y en a un, il veut te trancher la langue. Pourquoi t'as fait quoi? T'as fait quoi comme connerie? Bah, j'ai juste lancé la machine. Mais tu sais même pas faire un gâteau à la fraise. Je sais même pas. T'es sérieux? Vas-y, tu sais faire une charlotte aux fraises. Non, mais j'ai rien lancé du tout. Le bordel, tu sais faire le bordel, mais c'est même. Allez. Ouais, un peu. Il faut avancer. Allez, c'est parti. C'est ça, faudrait. C'est ça. Quoi? Je te jure, je crois que je vais tous les lire. Faudrait changer l'endroit aussi. Bonjour monsieur. C'est Lionel Messi. Voilà, voilà. Tobias, viens, je vais te briefer. Je vais te briefer 2 minutes. Vas-y, Tobias, viens. Vas-y. Alors. Non, viens, il faut que je te parle. Vas-y. Chope le numéro de la meuf. Ok, vas-y. Voilà, maintenant, tu tiens un carreau, Tobias, ok? Ok, je me tiens un carreau, c'est bon. Tobias, c'est une usine de parfum ou c'est bon? Je m'excuse, César, il m'a dit. Vous n'avez pas eu de tenue en plus ou pas? Tu sais que si tu me redis encore une fois que c'est pas discret, ils vont retrouver toute ta famille. Pardon, je m'excuse, César, je m'excuse pour tout. Attends, t'as avancé dans Narcos? Oui. Vu que ça se passe pas très bien, des fois. Ah oui, surtout vers la fin de la saison 2. Arrête, c'est vrai que ça devient compliqué à la fin de la saison 2. Ah, mais la saison elle est sortie en 2001, c'est bon, toi. Ouais, non, j'avoue, ça fait 8 mois que je suis en saison 1. Faut se mettre à jour quand même. Ah oui, et pour m'excuser, faudrait que j'ai le numéro de la fille pour lui. Peut-être que je lui enverrai de l'argent. Madame, c'est quoi ton numéro? Tu sors encore une fois ton téléphone ou je vais t'exploser la caméra. Range. Ok. Tu sors pas ton téléphone ou c'est dans mon labo, faut pas foutre le bordel, sinon je vais m'énerver. On abandonne le plan. Bon, on écoute le chimiste. C'est lui qui va faire l'initiation. Prenez des notes.
On a oublié Hamid, excusez-moi. C'est Breaking Bad, Michael. On a oublié Hamid. Il est où, Hamid? Il m'a dit, vous êtes où? Mais t'es là ou pas? Je lui envoie la pause. Ouais, je suis là. Non, tu veux, on l'envoie peut-être. Toi, je vais te mettre dans la cuve. Non, mais je plaisante, bien sûr. Eh, vas-y, je te laisse faire ton speech. Et n'oublie pas d'ingrédients exotiques. Non, y'a pas de. Premier qui appuie sur un bouton. Je le fume, je le fume. J'appuie sur lui aussi. Alors, Seigneur, ici nous avons la cuve. C'est ici qu'on met les matières premières pour avoir la mette. Ne touche pas au bouton sinon je te coupe la main. Non, j'ai pas touché, je regardais juste de plus près. Ok. Pardon. Donc, ici vous allez devoir mettre la féline acétone et de la méthylamine, Seigneur. C'est quoi, c'est un vaccin contre le Covid? Les alcools, je vous crois. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, Seigneur. C'est des produits chimiques qui te permettent de faire la mette. Très bien, excusez-moi. Matière première. Très bien. Ensuite, une fois que vous avez rempli toute la cuve, le Seigneur. La couscoussière. Vous venez ici, vous appuyez sur le petit bouton vert, ça lancera la synthèse. N'appuyez pas, y a rien dedans. Couscoussière, frère. Quoi ? Une nouvelle station, on fait des trucs, tu vois, on voit des trucs dedans. Si, clairement. Après, une fois que vous avez appuyé sur le petit bouton là-bas. C'est qui a dit ça ? C'est qui a dit ça ? Tu voulais faire un stage où tu pouvais manipuler ? Malheureusement, j'ai. Notre affaire, elle marche tellement bien que. Non, en plus, on va contaminer votre produit et tout, laisse tomber, ça va être un délire. Oui, c'est bien vrai. On va pas toucher. Mais dans tous les cas, c'est que. Oui. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que vous avez besoin de deux ingrédients très importants. Non. C'est la méthylamine, fini l'acétone. Okay. De temps en temps, vous pouvez être un peu extravagant et rajouter des petites choses un peu exotiques afin que votre produit sorte du lot et que vous pouvez vendre ça dans la rue, l'appeler avec un nom assez atypique. Nous, on essaie de tester un petit peu quelque chose d'exotique. On a pour la plupart d'entre vous. Faut de la méthamphétamine au chicoulin. Non, pas ça. On a testé le zeste de date. Le zeste de date. Ah ouais. Ah, c'est vrai. La date marocaine. Tu fais le jeune avec ou pas? Ah ouais. je répondrai pas à cette question. Un peu de mettre, un peu de liban. Toi, tu vas aller en enfer. En pyjama, voilà, il va aller en enfer en pyjama. En T-Max. La cube direction. César, comment elle s'appelle votre drogue à vous? Vous l'avez appelée comment? Nous, on n'a pas de nom encore. Ok. C'est de trouver quelque chose d'innovant. On n'a pas envie de faire comme les autres. Le classique, on n'aime pas ça. Moi, j'ai un nom pour vous. Vous l'appelez la Zitoun. Oh, la Ftoulou. La quoi? Et de la date dedans. Bon, il y en a un qui a attrapé par la cheveux. Je sais pas. Mettez-les dans la cuve, j'en peux plus d'elle. Allez, au fond de la classe. Au fond de la classe. Je peux plus t'entendre. Ok, c'est bon. Je regarde maison. Elle a dit quoi? La Ftoulou. La Ftoulou. Voilà. Excusez-moi, j'ai une question. J'en ai rien à foutre. Il fait quoi lui? Qui fait des gâteaux? Oui. Aussi, évidemment, c'est complexe. Oui, dites-moi, Seigneur, ça se fume, ça se mange, ça fait quoi de la mettre? Ça se fume, Seigneur. C'est un caillou. Non, c'est un petit caillou que tu mets dans une paille et tu t'allumes la paille, hermano, et ça se fume. C'est. Ah ouais, c'est un capricène, mais énervé quoi. C'est clairement ça. Exactement. Patron, je la fabrique, je sais, il faut savoir comment l'utiliser aussi. C'est le tube vert. Dans tous les cas, c'est un produit qu'il ne faut pas que vous consommiez, vous. Un produit clairement, très néfaste. Ça, c'est nocif. Nocif. Un truc très nocif hein, pour les junkies camés. Ils vont mourir. Il y a le crâne pété, Tobias, donc si tu donnes la mettre, laisse tomber. Mais moi, si vous les testez, vous m'appelez, tu dis ouais, Seigneur Tobias, on vous manque de respect, c'est vraiment. Il faut vraiment pas faire parce que il suffit d'une fois et vous tombez directement accro de cette drogue. Mais moi, plus rien le matin, moi je suis accro à tout, même. Donc, tu me donnes. Tu vas perdre tes dents. J'en ai plus. On te voit. Bah oui. T'inquiète. Ouais, c'est un chantier. Wow. C'est. Nous, on préférait on préférait la cocaïne quand même, qui était un produit qui. C'est pas que c'est un produit pur. La cocaïne a des résultats beaucoup mieux pour le corps. Ça nous revitalise, on se sent beaucoup mieux. T'as regardé Scarface? Ouais, Scarface. Vu comment... Ah, il a pété un câble à la femme skin. Hein. Il a tiré sur tout le monde. Il était solide. Tu l'as pas vu? Madame, c'est bon. À un moment donné, c'est bon, madame. Vraiment, regarde tes ongles. Faites-la sortir. Scarface.
Et on t'a dit quoi? On t'a dit tu parles plus, donc tu regardes tes ongles et puis c'est tout. Après c'est sur le téléphone. Tu prends des photos, je t'assure. Veuillez prendre tous les téléphones de tout le monde là. Tenez, tenez, on évite les problèmes. Éclate-le par terre, éclate-le par terre. Oui, ok, je l'éclate, voilà. Voilà, c'est bon. Et du coup après c'est quoi le processus on va dire final pour récupérer la matière? La suite. Suite, ça me dérange si on n'est pas les produits à vous montrer. Vous savez pas que j'allais aussi bien vendre ce soir, vous auriez pu manipuler. Ah bah j'ai des produits si vous voulez. Comment ça c'est pas... Le voir les mains. Tu les as où ces produits? Non, je plaisantais. Ouais, Adnan. Dis-moi. Bah rien, t'as loupé la question surprise, Royal. Ton incubation, combien de temps d'incubation? Voilà, j'avais soif, c'est pour ça. Ton incubation de la méthamphétamine. Une heure. Ouais, ça y est, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Comment non, tu sais? Non, voilà, j'ai dit au hasard, Sarbé. D'accord, quel est l'ingrédient principal? De la semoule. Tu peux, en vrai, tu peux. Ouais. Ça va rajouter des petits grains. Un peu d'huile. Froyant, t'as cru qu'on allait c'est quoi pour faire un tagine ou froyant? Mais il a dit quoi ce que c'est, Sarbé? Mais non, on parle de la mettre. Ah, il faut. Comment ça s'appelle les trucs bleus là? Il faut du méthylamine là, je sais pas quoi. Voilà, multivitamine, gars, si tu veux. Multivitamine, voilà. Voilà. Méthylamine, l'autre. Et un peu de colorant bleu. Non. Mais du coup, tu sais que il y a deux ingrédients importants. T'as cru que c'est Masterchef ou quoi? Attends. C'est ouf. Il faut de la multivitamine et. Pas de bouffouillasse, mais. Fini là, c'est toi. Ça commence par un peu. Fini la session. Hein? Du saucisson. Attends, fais les Delenon. Il a dit fini des grands sommes. Voilà, Delenon, arrêtez de me fouiller, je vais m'énerver. Fais l'acétone, ok, ça marche. Fais l'acétone. Fais l'acétone. C'est trop. Là, on est prêt pour le bac, hein, bac physique chimie. Donc, une fois que la cuve est pleine. Vous allez appuyer sur le petit bouton vert, là, pardon. Qui va directement envoyer ce qu'il y a dans la cuve. Via nos réseaux souterrains. Ils vont envoyer directement dans cette machine-là. Au fond de la classe. Okay. Au fond. Putain. Une fois que vous êtes arrivé là, vous venez ici, seigneur. Oui. Et vous allez mettre en réduction dans les petits tubes là derrière. Attends, je suis. Donc là, vous allez mettre les petits en réduction. Ça va durer une heure. Ça tue. Et une fois que vous avez fini, là, vous allez avoir le produit final. Venez ici, vous récupérez vos plateaux. Vous appuyez sur le petit bouton vert pour arrêter la machine. Et là, pour récupérer vos petits plateaux, que vous allez emmener sur la petite table là-bas. Et ça tue. Mais ouais, ça flingue d'ouf. Bien pensé. Hein. C'est bien pensé, voilà. Regardez, il nous reste encore des plateaux. Oh, ah ouais. Posez les petits plateaux là et vous les cassez comme ceci là. Jure. Voilà, une fois que c'est plein de petits grammes, vous prenez le plateau, vous mettez dans le petit bac ici, vous videz le petit bac. Il faut que le bac est vide. Attends, juste deux secondes. En gros, ce qui sort de l'incubation, le produit final, c'est comme si c'était une vitre. Ouais, c'est ça, ouais. Très peu épaisse. Après, ça fait ça. Voilà, ça fait là, ça. Le produit est cassé, là. Ouais, okay. Okay. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous venez, vous prenez le petit bac blanc. Voilà, vous avez compris, seigneur. Okay. Venez ici, vous pesez, vous mettez exactement 1 gramme par pochon. Là, au début, c'est les gros pochons. Là, c'est des pochons de 500 grammes direct. Vous prenez le bac plein avec des pochons et vous allez mettre ça dans votre stock, tout simplement. Et pourquoi ils les prennent là-haut? C'est pour... Je passe trop de temps. Ça fait mal à la tête, ok. Ouais, c'est propre, c'est bien pensé. Hein. Ouais, c'est bien pensé. Ok. Et après, directement la vente. Et exactement, et surtout, que t'as tout mis dans les... Vous vendez ça à combien, on va dire? Ah bah justement, je vais vous poser la question, à votre avis, combien vous pensez que ça se revend pendant... Bah ça vous revient à combien le coût de production? On va dire moins de 10$. Oh, ça va, en vrai. C'est pas cher, moins de... Je préfère dire objectivement, c'est moins de 10$, mais tu ne comptes pas les risques que tu prends en allant travailler. Les risques que nous prenons sur le terrain sont plus chers que n'importe quoi. 100$ les pochons. Ouais, je dirais pareil, une centaine de dollars. Ouais. Centaine de dollars dans la rue? 120. Ouais. 186, j'ai vendu tout à l'heure. Hein? Là, tu te suspenses. Quoi? Tu vends de la mettre, toi? Je l'ai trouvé par terre et je l'ai vendu juste un comme ça pour tester. Ah ouais, juste comme ça. Bah, ok. J'espère que c'est méchant. C'était celle de Madrazo, j'espère. Je sais pas. Si, il dit oui, dit oui. Ouais, je crois, ouais. Ah ouais, normal. Il avait écrit dessus. Ouais, j'espère pas que c'était la mienne parce que tu l'as vendu à perte là. Ah, tu t'es fait arnaquer. T'es tombé sur un client pas fidèle. Ok.
Aradin. Non, parce que ça se revend dans des des quartiers chics. Si on en raffole le plus, ça peut monter jusqu'à 220$. Wouah! 220! Oh, le bénef! Pas mal! Ça flingue! De 10 à 220. Ah, le bénef va, on va dire, aux gangs, qui eux achètent en gros. Nous, en gros, si vous voulez, on est les intermédiaires. Ouais, vous avez un bénéfice. C'est des grossistes, quoi. Grossiste, semi-grossiste. Semi-grossiste ou grossiste. On leur fournit en gros ce dont ils ont besoin. Et eux refourguent juste après dans la rue. Okay. Tout le monde a besoin de tout le monde. Il n'y a personne qui n'est pas... qui est indépendant. Tout le monde a besoin de tout le monde. C'est une chaîne alimentaire. Vous avez des questions, les gars? Tobias, peut-être? Non. Nem? Non. Tobias, t'en penses quoi? Train de renifler. Ouais, je sens pas trop les vapeurs, c'est un peu juste de tomber. Attends, je suis en train de sniffer le vôtre. J'ai une question, c'est quoi les effets secondaires de la méthamphétamine? Le plus gros, c'est la dépendance. Hein. La dépendance, c'est le plus gros des problèmes. Bah, c'est la mort, en vrai. Le problème pour eux. Effets secondaires, c'est la mort. Ensuite, il y a les pertes de dents, comme disait le patron tout à l'heure. Il y a aussi les effets qui viennent après plusieurs années sur la peau, donc... Ouais. Quand je dis sur la peau, c'est que ta peau devient un semi-peau crocodile. Ah, ouais. Si voilà, ta peau devient tout dure et... Moi j'ai 20 ans et j'ai des rides. 20 ans, toi? Moi j'ai 20 ans et j'ai des rides. 20 plus 30, oui. Plus 30, ouais, t'as pas 20 ans. En fait, il a 20 ans ici et 50 ans au Congo, c'est ça? J'ai 20 ans. Chiquita, je sais pas, t'as déjà regardé la série Walking Dead sur Netflix? C'est pareil, t'as vu les zombies, tu ressembleras à ça. Ah ouais, en fait, tu peux avoir 25 ans, mais en fait, on dirait t'as 65 ans, quoi. Un peu comme Tobias. Qu'est-ce que tu fais, regarde pas. Comme des quoi, là. Pardon, c'est moi, je peux faire exprès. Et le plus important à savoir, c'est que pour avoir cette droga, une fois que t'es dépendant, t'es prêt à vendre toute ta famille pour avoir cette droga. Ça, c'est bon, moi j'accepte, il me faut de l'argent en plus. Moi aussi, mais arrête, c'est bon d'abord. Mais vu ta tête, c'est vrai que tu prends de la mètre, toi, Tobias. Ouais, ça c'est pas faux, t'es ridé sur le cul. Fais une grève de potre crocodile. Ok, ça marche. Mais on va pas vous déranger plus longtemps, hein, parce que vous n'êtes pas sur la planche quand même. Mais merci en tout cas pour la petite visite guidée, hein, si je peux me permettre. Et merci, comme je l'ai dit, échange de bons procédés, bon peut-être pas ce soir, mais demain, on prendra deux ou trois de tes gars et on les emmènera avec nous aussi pour leur montrer un petit peu notre spécialité. Ah, ça marche. Voilà. On fait comme ça. Okay. Bon, vous leur mettez juste un foulard sur les yeux. Claro. Ouais, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, ça va quoi, Sonio? Tout à fait. C'est vraiment dur d'avoir tout l'argent que tu me dois. Comment ça? Mais t'as oublié. Ah oui, je te dois 50 000. Ouais, désolé, j'étais en rendez-vous, c'est pour ça. Je finis là. Que des rendez-vous. Rendez-vous. Mais je suis un businessman. T'as des rendez-vous, toi? T'as eu des rendez-vous, non? Tout à fait. Ouais, vas-y, parfait. Je te les ramène. C'est bon? Ça marche parfait. Dans combien de temps, Herman? Vas-y, 15 minutes, je crois, grand max. Vas-y, ça marche parfait. Bon, vas-y. À tout à l'heure, alors. Hasta luego. En tout cas, Dédé, vraiment, on a appris des choses aujourd'hui. Hein. Oui. Tant mieux, c'était le but. Merci en tout cas à vous. Merci en tout cas. Merci aux clients fidèles. Que ce soit demain ou dans les prochains jours, pas forcé que ce soit demain. Ouais, tranquille, on se fait courant. On se fait ça dans les prochains jours. Y'a pas de soucis, fais comme ça. Anas, y a ta possibilité dans 24 heures ou... Ouais. Ok, bah je vais te donner ça. Ah voilà. Maintenant tu me donnes ça maintenant? Ouais, je te donne ça maintenant. Vas-y. Parfait, nickel. Bah, merci. Demain, on se tient au courant. J'espère que ça vous a plu. Ouais, de fou, franchement, c'est stylé. Vas-y, César, on vous retient pas plus. Merci en tout cas, les gars. Passez une bonne soirée. Ah bah, avec plaisir. Stekas, on va voir Stekas. Si t'en fais soulever, tu vas aller le voir. Ouais, mais nous, on est pas censé savoir. Donc, tu dis rien. D'accord, je fais la comédie, ok. Vous êtes fait soulever, j'ai rien compris. Ça va quoi? Vous êtes fait soulever. Mais quel soulever? Ils ont mis une annonce. Quoi l'annonce? Les Aztecas, les bolos avec les Lost se sont fait soulever. Ah ouais, et qui te dit que c'est pas moi, j'ai fait le plan pour soulever les Lost et comme ça je prends la moitié avec les Madrazo? Ah ben c'est les Madrazo qui nous ont soulevé. C'est-tu ça, oui? T'es pas si intelligent, là tu viens de donner une info, on va la revendre. Qui te dit que c'est vrai, que c'est moi, que c'est eux? Ouais, voilà. tout est faux, en même temps. Parce que c'est pas mentir à Sarbi. Qui te dit ça? Sarbi, oh, toi, on est où? Mais toi, ça veut des hacks. Mais toi, tu veux des hacks? Toi, je veux des hacks. De rien, merci à toi. Et du coup, j'ai une petite question. Ouais, pause.
Déjà, lui, pourquoi il était jamais là maintenant, il est là, lui, c'est qui? Ah, tu l'as jamais vu, Adnan? Moi, je suis partout. Ah, ouais, je crois qu'il était pas là, je te présente, Adnan, excuse-moi. C'est un mec, il a fait 30 piges de haps, il se croit chaud comme la presse. Voilà, 30, tu sais, c'est un mec qui bat le record. Fermez-la derrière. Vas-y. Anas, je critique pas ton équipe, hein. Mais le premier jour, tu peux. Pourquoi tu m'as ramené une Brésilienne qui jongle? Tu m'as ramené. Attends, c'est qui la Brésilienne? C'est qui la Brésilienne? C'est Wam, il croit que je suis Chuka Bonito. C'est toi? Ah ouais, merde, ok. Sauf que tu fais des tours du monde, toi. Gauche et droite. J'aime bien. Du coup, j'avais une petite question, seigneur. Admettons, là, je. T'es comme moi, tu perds pas. J'ai gagné. Bravo, monsieur, bravo. Bravo. Du coup, j'ai de l'argent à blanchir là. C'est quand qu'on passe à plus haut gros taux là? Ah, pas maintenant, c'est encore trop tôt là. C'est quoi? C'est on a fait 2 transactions ensemble. On a fait 3, 150 000. T'as vu, il veut brûler les étapes, t'as vu? On a fait 2 de mémoire. Hein. Oh, 2 mois, ça. Ah oui, toi t'abuses, hein. T'abuses. Quand tu fais 2 transactions, on fait pas mal de trucs pour vous. Pas. T'abuses, il est vrai, il est vrai. Bon, là j'ai 200 000 à blanchir, pour favor. C'est okay, tout. Okay, vas-y. Oh, bah, je connais les armes. C'est qui? Tu m'avais dit là, les autres ils avaient blanchi 1 million. Moi je suis un cœur. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi, avec tes millions et tout? Miek, venez, hermano. J'ai besoin d'un petit sac. Seigneur Hamid. Mais. Seigneur Soin, vous avez pas des bandages? Parce qu'à ce qui paraît, vous êtes bandage. Non, non. Hamid, bandage, t'as pas ravitaillé. Eh, je suis pas une forme, je suis pas le SHD l'équipe. Rossa, arrête de me fouiller. Rossa, je te dis. C'est quoi ça? Et t'arrives à faire des banques avec ça là? Bah, même moi je sais pas comment je fais. Voilà, on est la meilleure équipe. Je dois avoir une étoile dans le ciel qui me protège. Franchement, c'est compliqué. 6 étoiles lui. Mais en vrai, quand on est sérieux, tu vois. Là, on est en mode rigolade, tu vois. Voilà, des fois, il faut savoir se poser, tranquille. Non, tu veux qu'on se mette en mode sérieux là? Ouais. T'es prêt? Ça va très vite. On se met en mode sérieux. 2, 3. Mode sérieux. Là, on est en mode sérieux là. Ah, bien vu. Bonsoir. Si, voilà, bonsoir. Comment allez-vous? Salut. Donc, on est là pour le business, monsieur Sveino. Comment allez-vous? Transactions, vous allez bien? Vous donnez mal à la tête. Ouais, oui, c'est vrai, là, on est en mode sérieux, tu vois. Là, regarde, 1, 2, 3, hop, on est en mode chill, normal. Salut. Ouais, Drele, ça va quoi, Sahbi? Ouais, Sveino. Il y a 200 000. Alors, comment est-ce que t'es 200 000? T'as vu? Vas-y, on se dit à demain, alors. Vas-y, bon courage, merci encore. Hasta luego. Salut. Au revoir.